Retour en Europe pour le cinquième épisode d'Un jour une ligne. C'est chez moi, à Lactusa, que nous nous retrouvons en présence d'un grand passionné de lice, Bixente Lizarazu. Bienvenue au pays des Aravis, là. Merci Seb, pour ton invitation. Ouais, bah écoute... J'aime bien le nom déjà, on a eu de la pays des Aravis. Et là, la visite dans les sapins, ça va être correct, non? Même s'il neige... Non, les sapins, là, c'est ce qu'il nous faut. Ça va nous mettre un petit peu de contraste et avec le mauvais temps qu'il y a. Et puis, je pense que c'est bon. Nickel. On y va? Ouais, allez. Belle poudreuse des Aravis là. Ah, moi j'adorais. Ouais. Même si la visée n'était pas top, moi j'adorais. Il y avait petit 30 cm, elle était légère, c'était bien. Ouais, j'ai vu quand même au niveau des sauts, t'avais un peu les bras qui partaient. Alors, pour demain, ils annoncent grand beau, on va faire une belle ligne. Il y aura peut-être un ou deux sauts. Alors je te propose d'aller s'entraîner et ce sera les meilleur bras, pour demain. Les bras bien aux jeunes. Les bras bien aux jeunes. Totalement suicidé. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans la rivière. Là, je m'y attendais pas. Ben ouais, hein, je t'avais dit pourtant, c'était un élastique. Ces espèces de barres rocheuses comme ça là. Bah c'est typique à la chaîne des Aravis quoi, ça te fait que des grosses montagnes comme ça, des grandes combes à chaque fois. Comme si tu skiais dans les falaises en fait. Ouais. Ça va me rappeler chez moi. Tout en calcaire. Ça m'a rappelé mes falaises si tu veux. Ouais. T'as fait exprès en fait. Toi t'as appris à skier où? Pyrénées. Pyrénées. Sur Bourret. Enfin, pas mal de stations. Et puis après avec mon père on venait avec la camionnette et on venait dans les Alpes. Ah ouais. Donc, on me rappelle même une année, tu vois. Carrément, ça se passait pas trop bien le foot. Je pétais un câble, j'ai dit allez, je me fais un break de 10 jours. On a fait du ski, mais non-stop, je bouffais sur le sandwich sur le télésiège. Un bon mardi. Pour sa première expérience en ski de rando, nous avons rejoint la ferme du Danet par la forêt. Une bonne dégustation locale à base de soupe, fondue et tarte aux pommes maison nous y attendait. On est au col de Bellachard et puis notre point culminant sera peut-être Pelouse. Il y a 45 minutes maxi de randonnée quoi. Ben, la neige a l'air excellente, ça n'a pas été trop touché par le vent, ça va être top.
Avant de m'élancer, je donne mes derniers conseils à Big Chente sur sa ligne. Ça se mérite. Bonjour. Ah bonjour, oh là là. Merci mon Tito. Merci beaucoup. Voilà. Bon, Big Chente, merci. Merci à toi surtout. Avec grand plaisir et j'espère que ça t'a donné envie de revenir dans mon petit pays et qu'on éclate toutes les autres pentes qui existent par dans le coin. Écoute, maintenant je suis addict à la hors-piste. Mais je savais que tu étais déjà un bon addict du hors-piste. La rando, c'est un peu dur quand même. Mais...